Il faudrait imaginer là une histoire. L'histoire d'un artiste qui serait revenu en France d'un voyage solaire et inouï. Ce voyage l'a bouleversé. Ce périple a changé toute ta conception du monde, Léon. Tu es là. C'est lourd d'être ici. Dans la rue où tu habitais, à Port-au-Prince, il y avait un homme qui marchait sans cesse. Il regardait droit devant lui, sans jamais faire attention aux gens. À Haïti, la magie tient une place importante. Les habitants disaient que cet homme était envahi par un esprit, qu'on lui avait jeté un sort. Tu étais intrigué par son comportement bizarre. À chaque fois que tu le croisais dans cette rue, tu voulais capter son regard. Un jour, comme s'il t'avait offert à toi de voir un peu de son âme, il t'a regardé. C'était comme une victoire. Tu habitais dans le quartier Jalousie, qui avait été construit sur le flanc d'une immense colline, au milieu de cette avalanche de maisons multicolores. Rémi ? T'es là ? Je vais entrer pour en face. Rémi ? C'était fou là-bas ! J'ai plein de trucs à te raconter. Rémi ? Tu n'aurais pas dû revenir, Léon. Tu crois que le monde t'attendait ici? Personne ne sait que tu es là. Même l'enfermement ignore que tu es enfermé. La colère ignore que tu es en colère. Le danger ignore à quel point tu pourrais être dangereux. Tant de couleurs encore troubles en toi qui ne demandent qu'à être puisées comme une lave menaçante. Pourtant, les pinceaux sont encore inanimés. L'idée même de la peinture semble un peu racornie ici. Tes anciens tableaux sont d'étranges fenêtres que tu ne reconnais plus. Le ciel qu'ils montraient n'existe plus. Tu n'oses pas le penser, mais ce module dont tu voulais jadis faire un étrange royaume aux tableaux se reflétant les uns les autres semble être devenu un tombeau. Dans le fond, ce que nous cherchons, ce que je cherche, c'est la subversion. Si la littérature n'est pas porteuse de subversion dans un monde d'injustice, d'inapaisement, à quoi sert-elle au-delà du simple plaisir masturbatoire? Je pense que la littérature vaut mieux, un peu mieux que la masturbation. Tiens, Léon, t'es rentré juste à temps pour la petite fête. Bien vu. La petite fête. Là-bas, tu étais devenu ami avec Ripel. Il était peintre comme toi. Lui aimait peindre les gens dans les rues. La pauvreté, la violence, des morceaux de guerre civile. Des tableaux réalistes, tressés de mythologie haïtienne. Il y avait quelque chose de très physique dans sa manière de peindre, comme un corps à corps passionnel. Il ne réfléchissait pas, il se jetait sur son idée, comme un fauve.
dévorait ce qu'il avait en tête. Paul, là il y a comme une espèce de jambe qui avance, mais pas le nier. Alors regarde un peu si ça correspond à cette image. Je le vois bien, Thérèse, je vois tout, je vois que ça. Oui, oui, ça ondule, hein, ça ondule pas mal quand même. Mmh. Une bête. Bon, en même temps, hein, là je vois le Vésuve, ça saute aux yeux, c'est éruptif, c'est une éruption, ou le Stromboli à la limite. Là, vraiment, on est au carrefour de, je sais pas, l'organique, le minéral. C'est marrant. À Port-au-Prince, les carrefours, sur les coins de rue, t'avais en fait... c'était la nuit, t'avais des meutes de chiens qui venaient et... alors, on passait, on rentrait chez nous, et à chaque fois, il fallait faire attention parce qu'ils t'attaquaient, quoi. T'avais les chiens, ils avaient des sortes de attention, les gueules, des trucs, quoi. T'avais des hernies, c'était des clans, mais d'affreux, quoi, qui venaient te bouffer. T'as un pote qui s'est fait bouffer le mollet, quoi. Tu vois, et tu les... C'est leur lieu, le soir, tu vois. Ils sont là, c'est chez eux. Ils sont les rois, quoi, tu vois. Ripel avait eu cette idée fantasque de te faire descendre toute la ville de Port-au-Prince, déguisée en Napoléon, portée par deux hommes sur une chaise à porteurs. Une sorte de happening artistique. Durant cette période, l'atmosphère était souvent tendue à Haïti. Il y avait des révoltes dans les rues. Ça aurait été risqué. Tu n'as pas osé. Et tu le regrettes. Ton existence... Avant ton voyage à Port-au-Prince, les cafés aux Dames du Minc, les gens que tu connaissais, que tu as peints. Tu es content d'être de ce côté-ci du canal Léon. Tu n'es pas prêt encore pour la ville. Trop de fractures. Tu avais essayé avec la ville. Non, ne te montre pas encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on m'a racontée il y a quelques mois? Tu as fait un scandale, Cursal? Qu'est-ce qui t'a raconté ça? Tout le monde est au courant. Une amie à moi m'a dit que tu as même fait peur aux gens. Tu as claqué une bouteille de champagne contre un mur. Cette chaussure a plus d'âme que vous. Vous n'arriverez pas à me tyranniser, à me faire disparaître. Ici, tu es comme dans une forteresse, un bunker. Selon les jours, tu es soit protégé, soit enfermé, comme en quarantaine. On te laisse dans ta béance mentale. Dans tes errances, tes va-et-vient, tu cherches en silence des bribes de Port-au-Prince, les visages, le tumulte existentiel, comme les morceaux d'un vase qui aurait éclaté jusqu'ici. Tu sais, quand j'étais petit, je m'isolais dans la salle de bain. J'avais un vidéoprojecteur et je projetais une image de toi. Et sur cette image, sur le mur, je t'embrassais. Et
J'y retournais souvent dans cette salle de bain parce que j'aimais t'y retrouver. J'aimais ce moment de tendresse qu'on avait tous les deux. Rachel, j'ai nulle part où dormir. Est-ce que je pourrais rester un peu dans mon module le temps de me refaire? Je cherchais du boulot. On n'avait plus de nouvelles de toi, Léon. Moi, j'ai un autre artiste qui veut louer ton module. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi, maintenant? Que je suis là, que je suis pas mort. J'étais en vacances prolongées. Est-ce que mes affaires sont encore là? Encore une rafale de vent, et tout ton périple à Port-au-Prince ne serait plus qu'un rêve. Tu te perds entre tes rêves. Tu es comme en décalage, essayant de rattraper une réalité ou un monde, et te retrouves dans des zones encore plus insaisissables. Parfois, tu entends des tremblements de terre qui se sont produits ailleurs, très près pourtant, derrière ces parois, ce muret. Ce n'est pas facile pour toi d'être ici. Reste près de l'eau. Elle touche ce que tu as vécu là-bas, à Port-au-Prince. Reste près de l'eau. Pour l'instant, l'eau, c'est la réalité, cette belle réalité. Je sais que tu m'entends parfois, Léon. Entre deux nuages, entre deux sirènes du port. Je suis là. Te dire que tu trouveras les couleurs pour recomposer ce monde déchiré en lambeaux.
verras. Marche, marche.